Quand tu montes, hein, et que tu as laissé ton énergie monter, que tu vibres haut et que tu sens les sacs Hermès, tu sens les voyages en première classe, tout ça là. Ne partage avec personne. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Tu ne convaincs personne. Tu n'es pas là pour convaincre quelqu'un. Tu dois protéger ton bébé. Parfois même c'est ton mari, hein, tu ne lui dis pas. Oui. Tu ne lui dis pas. Parce qu'on va te voir, qu'est-ce qui te plaît comme ça? Partage aussi avec nous, non? Tu partages quoi? Tu partages quoi? Cache-toi. Et ce n'est pas tout le monde qui va devenir heureux. Hein? Ce n'est pas tout le monde. De la même façon que j'ai les problèmes, je partage avec toi. Après, je me sens mieux. Quand je me sens vraiment bien, je partage avec toi. Après, je me sens mal. Simple. Tes prochains jours, tu vas voir. Les voyages astro alors, hein? Vous allez voyager dans le sommeil. Vous allez partir dans la forêt de l'Amazonie. Vous allez survoler le Grand Canyon. Tu vas voir les montagnes comme ça là, tu vas survoler les montagnes, survoler. Tu vas être dans la rivière, tu vas aller sur la mer, tu vas regarder, tu seras au clair de la lune. Tu te couches sur le bateau comme ça là, tu vois les étoiles. Après tu plonges dans l'eau, tu voyages. Ouais, ce sont les voyages astro que tu veux voir. Et dans tous ces mondes que tu voyages maintenant là, tu collectes les énergies, tu prends, énergie c'est argent, tu prends, rakakashika rabakasa. Et je rappelle que nous sommes dans une saison que vous avez beaucoup désiré, vous avez beaucoup prié, vous vous êtes tellement lavé que votre corps, vous êtes déjà le sel. Vous avez tellement enlevé les mauvaises énergies sur vous, vous avez accumulé. C'est comme si on a mis plein de pétards dans un conteneur et on a lancé les allumettes dedans. D'ailleurs, demain, c'est le 5 Guy Fawkes Day en Angleterre. Ils font plein de feux d'artifice là. C'est un jour magnifique. Mouah, it's so beautiful. Donc, c'est un peu comme ça. Ce moment où ça explose de tous les côtés. Et c'est là que tu sais que je ne serai plus jamais pauvre. Donc, j'ai passé vraiment la pauvreté là. Je suis là pour t'annoncer que oui. Tu as passé l'étape de pauvreté de ta vie. De toute ta vie. Tu me suis... De toute ta vie. Tu vas aussi regarder les tickets comme ça là. Tu regardes que, quel est le plus cher. Tu vois, je me suis rendu compte que parfois dans notre vie, on a une étape où on, quand on regarde les prix des choses, on va toujours ce qui est moins cher. Ça vous est déjà arrivé? Tu achètes les tickets. Tu pars toujours. Tu veux dire le moins cher, le moins du moins cher. Le moins du moins cher. Il n'y a pas moins cher que ça. Il n'y a pas moins cher que ça. Ça n'aura plus d'importance pour toi. Parce que tu vas même te montrer le moins cher. Tu vas dire non, je veux ce qui est plus cher que ça. C'est dans ça que vous êtes. Sans avoir peur, sans trembler, sans avoir honte, sans vous dire, oh, si ça finit. Non, parce que tu sais que je suis un aimant. You know that you are attracting at all times. It keeps coming. Écrivez ici, là, l'argent vient. It keeps coming. It keeps coming. It keeps getting better. Better and better. It's bettering again. Bettering and bettering. Bettering, 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 bettering. Bettering, bettering. C'est pour ça que vous devez faire attention sur quoi vous vous concentrez. Ok? Qu'est-ce qui prend ton attention, chérie? Les vidéos qu'on te dit de regarder, de voir le Chaltazar qui fait les choses là, ça va t'apporter quoi? Ça va descendre ta vibration, ça va te faire vibrer bas. Pourquoi tu veux faire ça? Hein? Voilà l'autre qui dit, je vis l'extraordinaire ces derniers jours. Ça explose de tous les côtés. Je vous ai dit, n'ayez pas peur d'être heureux. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Vous allez voir. Je sais que vous ne voulez pas seulement témoigner. Ce n'est pas parce que tu as témoigné que quelqu'un va prendre. Ce n'est pas parce que tu auras témoigné que quelqu'un va prendre. Jamais. L'argent ne vient pas, l'argent est là. Tu dis que l'argent vient comment? Ça, c'est les déclarations des pauvres. L'argent est déjà là. L'argent est là. L'argent est là. Répétez, l'argent est là. Mon chien s'appelle argent. Mon chien s'appelle money. L'argent est là. Vous dites que quoi? Que l'argent va venir? Ça va venir où? C'est parti où? Hein? Money damha? Cap est parti où? L'argent est là. C'est différent quand tu es dans un business avec quelqu'un, tu lui dis que c'est là. Ou bien quand tu dis que ça va venir, on va commander. Quelqu'un qui te dit que c'est là, il t'envoie l'argent. Quand vous allez commander, on va payer, on va attendre que ça vienne. Vous voyez que l'énergie n'est plus la même, non?
N'est-ce pas? Hein? Sortez de la pauvreté et je vais vous gifler. Oui. I'm going to slap you rich. Je vais te gifler, tu vas devenir riche. I'll slap you to rich. Mm-hmm. Voilà. On dit les clients sont là. On ne dit pas plus de clients. Ça, c'est les énergies des pauvres. C'est pour ça qu'on ne passe pas dans ton magasin. Et quand tu as un business, tu vends quelque chose. Arrêtez de dire venez, venez, venez. Arrêtez. Je donne, je vous dis ce que je fais, mais je reste dans mon énergie. Je reste dans mon énergie féminine qui reçoit. Les clients viennent. Ils viennent au bon moment. They're coming at the right time. They're coming at the right time. Je fais toujours de belles ventes sans effort. Money comes to me easily. Money comes to me now. Voilà, elle allait demander le visa de la Turquie. On a donné sans compliquer. Même les visas, on va maintenant vous donner les visas. Ouais, Seigneur. Il y a eu une époque en Angleterre où, quand mes choses s'ouvraient déjà, Dieu m'a dit que, mamie, on ne va plus jamais te refuser un visa. On ne va plus rien te refuser. Que tu vas de tout ce que tu vas mettre ta tête, que tu veux faire, ça va marcher. Agora, agowaka. Voilà. Tu n'as plus besoin de dire que l'argent est là en abondance. N'est même pas abondance sur ça. Est-ce que le riche a besoin de dire que j'ai beaucoup d'argent? Hein? Il y a une différence entre quelqu'un qui veut seulement se forcer, dire que c'est beaucoup, non. Beaucoup déjà, c'est le pauvre qui veut déjà dire que non, t'as pas est petit, t'as pas est beaucoup, t'as pas est ceci, non. Le riche, c'est que non, il y a l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez besoin de combien? Il y a. La question maintenant, c'est, il faut combien pour que tu fasses ça? Voilà les mentalités que vous devez développer, s'il vous plaît. Sinon, vous allez encore chasser l'argent que vous avez travaillé pendant un an là. Tu as travaillé sur ton corps un an, prière, jeûne, ceci, cela. Tu as prié et jeûné pour te débarrasser de tes mentalités, d'anciennes mentalités. Ce n'est pas le jeûne qui a attiré l'argent. Ce sont tes paroles, ton énergie, ce qui était calé dans ton corps là. C'est ça qui bloquait ton argent. Vous savez qu'on a des énergies en nous qui bloquent l'argent, non? Quelqu'un dit que je vais t'envoyer l'argent demain. Je paye demain, ne te dérange pas. Et est-ce qu'il peut même payer? Hey, c'est 50 millions. Hein? Hey, moi aussi, il va avoir 50 millions. Hey, hey. Ce qui fait qu'on ne te paye pas les 50 millions-là, c'est toi, c'est ta pensée. Tu as suivi. Mon numéro, c'est le 237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. Je sais que mes clients viennent à moi, mes gens viennent à moi. Mes gens se reconnaissent. Ils viennent. Pardon. Et l'argent n'entre pas seulement dans le business. Vous devez comprendre seulement pour votre beauté. Moi, et qu'il y a des gens qui me donnent l'argent seulement parce que je suis belle. Il y a des gens qui viennent à mes directs, hein? Je les ai vus seulement parce que je suis belle. C'est tout. Ils aiment mon visage. I know you like it. Oui. Je vis pour vous plaire. Je vis pour satisfaire vos fantasmes mentaux. Que j'aime quand la fille a mis le rouge à lèvres qui est comme ça. Hein? Oui, c'est pour ça que je vis. Je vis pour ça. Oui. Je vis pour que vous soyez content de me voir bien. Oui, tu me vois, ça te plaît. C'est ça. C'est ça ma passion de vie. C'est ça. Oui, j'existe seulement pour ça. Oui. Vous avez suivi, non? Voilà.